donc Denis Top, paysan à Pied-de-Gan. Donc sur une exploitation de taille, on va dire, une petite ferme, 32 hectares, avec un peu d'élevage de porc. Donc je suis installé déjà depuis 82, et puis dans un premier temps, on a fait de l'agriculture conventionnelle. Puis maintenant, ça fait 2 années qu'une partie de l'exploitation l'a réorientée vers l'agriculture biologique en demandant la certification. Donc on est parti sur des productions en partie de légumes. L'idée était d'aller sur la restauration collective principalement, c'est-à-dire des légumes plutôt racines, pour, vu que moi je suis seul sur l'exploitation, donc pour ne pas avoir, avoir de la main-d'œuvre trop extérieure, étant donné que c'est toujours difficile de la rémunérer. Et bon, il y a eu un peu des difficultés à rémunérer avec la restauration collective, donc on est parti sur un marché bio, sur 35 deux fois par mois. Dans un premier temps. Donc on souhaite, au niveau de l'exploitation, transmettre, permettre à d'autres de venir dans le métier hein, pour faire des produits de qualité. On est sensible à la qualité de l'eau et tout ça. Donc, et concernant les intrants chimiques, je pense qu'on en a un peu assez vu tout ce qui est utilisé en agriculture. Donc on montre au quotidien qu'il est possible de produire autrement et avoir des produits de qualité et que bon après le consommateur il doit comprendre qu'il faut rémunérer. Voilà.